pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je vais vous présenter par exemple l'objet le plus satisfaisant du monde. C'est un hand spinner. Alors je pense que vous avez tous entendu parler de ce petit joujou. C'est ultra sympa, j'ai déjà utilisé au collège et ce qui m'a vraiment donné envie de l'acheter. Donc on va découvrir ça tout de suite. Allez, on y va. Donc voici le produit en lui-même, c'est un hand spinner qui ressemble à ça, donc c'est vraiment un objet hyper sympa. Alors au début je croyais que c'est un truc complètement con, et vu comme ça une vidéo ça paraît nul et pas drôle du tout, mais je l'ai essayé en vrai avec un pote, c'est vraiment top, et ce qui m'a vraiment donné de l'acheter. Par contre pour l'acheter c'est assez compliqué, parce que c'est un objet qui est extrêmement demandé, ça fait un carton dans le monde entier, ça a commencé aux US et ça arrive en France, et ils sont en train de stock dans plein de magasins. Alors prenez-vous soit sur internet, mais il y a des livraisons c'est important, ou si vous avez la chance de pouvoir en trouver dans un magasin, c'est vraiment top pour vous. Ça se trouve dans quasiment tous les magasins, donc Fnac, Leclerc, vous même chez Leclerc, des magasins comme ça, des magasins de high-tech, etc. Ou sur internet, vous pourrez trouver entre 3 et 50 euros. Donc 50 euros, ça fait un peu cher, mais il y en a en fer, etc., qui sont très sympas. Bref, je vais te parler et on va commencer tout de suite pour le débat. Clairement, sur un unboxing, mais bon, on y va quand même. Donc ça ressemble à ça, donc c'est censé déstresser, et c'est pour la concentration et le fun, et ça enlève l'anxiété. Ça ressemble à ça, donc la boîte, on a vu. On ouvre le paquet. Hop, là-bas, on s'en fout. C'est vrai. Donc voici le hand spinner en lui-même. Du coup, c'est un hand spinner à roulement à billes. Ça veut dire que c'est des petits roulements à billes. Et là, ici, ce sont des poids qui tombent, qui pivotent sur eux-mêmes quand on fait tourner. Donc ça fait ça, c'est ultra sympa. On arrête. C'est vrai que la sensation est extrêmement agréable. Ah, c'est vraiment top. Ah, ça déstresse, c'est impressionnant. Et donc après, si, quand on commence un peu à toucher avec ce hand spinner, on peut commencer à faire des figures. Exemple, tac, ça n'a pas marché non plus. Merde. Bon, je vais m'entraîner, mais après, une fois qu'on touche, après, on peut faire des. Vous pouvez voir sur YouTube des vidéos de hand spinner qui sont impressionnantes, des mecs qui arrivent à faire jongler de main en main, etc. C'est impressionnant. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour la semaine prochaine, je vais fabriquer un petit hand spinner en carton pour vous donner une idée à quoi ça ressemble, si vous voulez en acheter un ou pas. Un peu comme une caisse de réalité virtuelle, bref, je vais en faire un pour vous la semaine prochaine, donc attendez-vous que ça va bientôt sortir. Et n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. On a passé à la barre des 350 abonnés, un immense merci. Aussi à la barre des 30 000 vues en tout sur toutes les vidéos. Et on a passé à la barre des 11 000 vues sur la vidéo qui a le même marché, donc c'est le caisse de réalité virtuelle. Donc un immense merci à vous. Et ben, on se retrouve à la prochaine. Allez, salut!